Alors, le syndrome métabolique, c'est un ensemble de troubles liés à l'obésité androïde, un tour de taille trop élevé. C'est donc une augmentation des triglycérides sanguins, une diminution du cholestérol HDL, une augmentation de la pression artérielle et une augmentation de la glycémie, du sucre dans le sang. Et le risque principal, c'est le risque cardiovasculaire. Alors, le syndrome métabolique est principalement lié à la résistance à l'insuline, donc l'hormone qui permet d'utiliser le sucre. Et d'ailleurs, un synonyme de syndrome métabolique, c'est le syndrome d'insulinorésistance. L'étude DESIR est un suivi épidémiologique d'une population générale de volontaires dans les centres de santé du région Centre-Ouest de la France. Plus de 5 000 personnes ont été incluses, dont la moitié était constituée de femmes, enfin, avec un sexe ratio de 50-50. Ils ont été suivis sur 9 ans avec des examens clinico-biologiques tous les 3 ans. Il y a une différence entre hommes et femmes. Les hommes sont plus susceptibles de faire le syndrome métabolique, justement parce qu'ils accumulent plus facilement de la graisse au niveau abdominal. Et donc, chez les hommes, c'est plutôt entre 25 et 40%. Et chez les femmes, entre 16 et 25% de fréquence dans l'étude DESIR. Dans l'étude DESIR, on a utilisé un questionnaire alimentaire très simple, une vingtaine de questions seulement, donc on n'a pas pu rentrer dans le détail des produits laitiers. On a quand même pu faire deux grandes catégories, produits laitiers sauf fromage, et puis les fromages. Pour les produits laitiers, on a observé un effet bénéfique sur le syndrome métabolique et l'incidence du diabète de type 2. Pour le fromage, on a observé un effet seulement sur le syndrome métabolique, mais avec des effets bénéfiques sur la pression artérielle ainsi que sur les triglycérides. Alors, dans le lait, il y a un grand nombre de composants susceptibles d'être bénéfiques pour le syndrome métabolique. Il y a le calcium, dont le lait est une des sources principales, qui intervient dans le métabolisme cellulaire. Alors, il pourrait avoir des effets bénéfiques sur le métabolisme de l'adipocyte, des cellules grasses, et sur la pression artérielle, sur l'inflammation aussi. Et puis, il y a aussi des protéines. Alors, il y a plusieurs effets possibles de ces protéines, puisque certaines de ces protéines pourraient avoir ce qu'on appelle un effet incrétine, c'est-à-dire un effet analogue à des hormones qui augmentent l'action de l'insuline et donc qui contribuent à diminuer la glycémie dans le sang. Les acides gras également, le lait contient des acides gras particuliers qui ont des effets plutôt anti-inflammatoires, hypolipémiants paradoxalement et insulino-sensibilisateurs également. Parmi les facteurs du lait qui pourraient avoir des effets bénéfiques sur le syndrome métabolique, il y a la vitamine D. Et en ce moment, dans l'étude DESIR, par exemple, on étudie les polymorphismes génétiques du récepteur de la vitamine D en interaction avec la consommation de produits laitiers pour le risque de syndrome métabolique.